qu'est-ce qui va se passer. Et je suis curieux. Voilà. C'est vrai qu'il y a des rumeurs sur une possible départ de Matuidi, sur les faits surtout qu'une entre Khedira et Matuidi, sûrement, ira quitter la Juve pour des raisons aussi d'effectifs, pour ne pas avoir un effectif trop riche. Sur Khedira, ça fait des mois que on sait qu'il y a des intérêts des États-Unis. Rien s'est encore concrétisé. Par contre, pour Matuidi, les jours où il sera sur les marchés, éventuellement, on sait très bien qu'il a un agent qui trouve toujours des bonnes solutions pour ses joueurs, Ouais. Raiola. Et c'est un joueur qui, quand même, Qui est champion du l'agent de monde, Pogba aussi, c'est bien ça. qui est l'agent des Pogba, qui est l'agent Et de donc. plein des joueurs. Donc, C'est vrai, Damien a raison. Et alors, qu'est-ce qui se passe avec Pogba? Voilà, ouais. À la Juve. Bah, Pogba, c'était la priorité totale de cette saison pour trouver un milieu de terrain important, de qualité, vraiment faire marquer les gros coups au niveau des transferts. Là, l'arrivée des Rabiot déjà fait en sorte qu'il y a un joueur en plus qui arrive au-delà des Ramsey, et surtout l'arrivée probable, presque sûre, de De Ligt fait en sorte que les gros lots à dépenser sur les mercato, 70, 80 millions d'euros, 100 millions qui auraient pu être l'argent que la Juve voulait mettre sur Pogba, plus un éventuel joueur, plus un éventuel bonus, quand même, va sur les défenseurs néerlandais. Donc, sauf des départs aujourd'hui impossibles à prévoir, comme celui des Dybala, l'idée Pogba, pour moi, ça reste dans un tiroir Ouais, pour cet mais été.